Vous suivez Congo Buzz Télévision partout dans le monde. Mbote pe boyebola muna manaka la bino ya pona Congo édition spéciale mokola lelo tozabongo le 10 mai 2023 depuis ville province à Kinshasa. Obisika tozo lobela mai matali bongo mboka Congo ba kongomani yonso brozali éparpillé à travers le monde na libanda tope na kati ya mboka ndengeni mboka Congo ezali kotambola ba effort nini ezali ko salema na kati ya Kinshasa tope na kati ya ba province Nabiso spécialement, donc on voit vraiment tranche spéciale Kolobela Mayo et Zaliko Sale Makuna na Lwala Batomona qui lobby le qui gouverneur Fifi Masuka Azalaki Bongo Ayamba Maki na na ministère économie Nabiso na Malobanaye Atalisaki que je n'ai pas instauré une taxe de trop pour la pour le camion dans ma province qui rapporterait 3 millions de dollars la journée. Comme l'a dit les opérateurs, comme l'ont dit plutôt les opérateurs économiques au VPM de l'économie vitale Kamere wana maloba ya madame Fifi Masuka gouverneur ya Lwala ba wazali ko bunda tongo midi pourquoi koluka ba solution mais qu'est-ce qui se passe na niveau ya Lwala ba taxe les kebele ba mboka ba zone là est-ce que mon solo ya province wana ezonga kapenza ba na mboka Lwala ba kuna ba sali ko vivre yango 4 ans après na souraine ya Félix c'est qu'est-ce qui s'est fait exactement na Lwala Bato Lobela Moko na lelo province ya Lwala Bato Zali Bongo nande ko Marcel Okito Azali Moko ya ba ba uteli biso na Lwala ba pe promoteur ya Lwala ba vérité mon na boko déjà ko rejoindre biso mbote pe boye bola mbote madame Naomi na za na ngoma kasi ko retrouver le sous sous plateau na opo Mbote pe lokola bazolanda biso tozana mboka Kinshasa epai wapi toyaki kosala mosala mpona kobimisaka vérité bato ebele balingi kobomba vérité balingi bato ebele baaccede na information te parce que tout simplement bazolinga te bato bayeba nini esalemaki liboso nini ezosalema lelo nini ekosalema lobi. Très bien, les cambo à vérité, bon solo, toyeba, ni ne salemito, ni ne salemite, tous abonnés à l'éco François Loubi, analyste politique, pe expert, on a ma question, et Tali Bongo, au provincial, on a beaucoup de gens, Jean Gabisso, moi, Lambo, Kambo, Tepe, Boebola. Voté, voté, n'a pas si peu voté, Bazolanda, Congo Buzz. Nous sommes là pour dire la vérité, n'est-ce pas, donner l'éclaircissement sur tout ce qui se passe au Lualaba. La province modèle, province référence, il y a République démocratique du Congo, et pas ikuna ba action, ils ont raisonné, pays na ba pays étrangers, notamment Union européenne, États-Unis, et pas ouais puis maman gouverneur, Union soit soit ba invitation, pour na rokende kolobela Congo, pour na rokende ko vendre ba potentialité à y a province. Il y a Congo, selon vision, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Tu sentir yo moi timide, mais ah, ils appellent à Congo, ils timide. Donc, attends, soyez le coquille, le banayo, dans l'ingal, en débit, soto, il le babotoye, le banon en français, la balangue, nyon, so, donc, merci. Ils appellent à Congo, ils appellent à Congo, à Congo, na Mubimba, na Yango, Congo, na Congo central, Congo, na Équateur, Congo, na ba, na Goma, na Bisika, nyon, so. Congo, il y a mon bimba na yango penza biso tolobela kaka Congo, oye tali Congo nde tali biso awa na plateau na biso monsieur Marcel Okito lobi l'équipe madame Fifi Masuka kendaki ko se justifier mais nini penza zo salema taxe wana solo tolokuta qu'est-ce qui se passe betela bana mboka li solo ya vérité li solo ya vérité ezaboui. Mwana mboka Fifi Masuka saini azalaki liboso ya Vital Kamere oyo azali VPM en charge ya économie na mboka na biso pona ko éclaircir ye sur la question parce que ba ezwaki ye comme deuxième son de cloche par rapport ya ba allégation oyo esalemaki pa de la part ya bana ya mboka ba congolais ba oyo bazosala misala ya commerce na ba entreprise mususu batu ya nakacha province ya Lualaba oyo balobaki ke taxe moko ils ont instauré na Lualaba taxe moko zobinga ma scanner pour ils ala kana pomba skill bisika ba camion ils ont mis ma minerai na biloko mususu zo lekaka balobi taxe moko zo futa ma place wana taxe wana zo produire par jour 3 millions de dollars madame Naomi kanisa na nous ensemble na ngai pour faire 3 millions de dollars na mukolo moko balobi bien dans 24 heures donc par jour journée moko zala kana 24 heures
Toi réfléchir ensemble, ce qui est possible de produire 3 millions de dollars par jour. Est-ce que Makamboyo Baoyo qui a fait Balobaki Liboso ya ba caméra na Lubumbashi, est-ce que ça y a solo tout ça? Malabi camion moko zo foute 100 dollars. Donc ce qu'on calcule. Madame Fifi Masuka nda memi éclaircissement ya 100 dollars. Bango Balobaki te monta ou ba futaka. Bango Balobi que non taxe on les a produire 3 millions de dollars par jour pour la compte ya province. Donc province c'est 3 millions de dollars par jour. Ce que ça lit 100 jours, tout ça na combien? Bango ba sala ba calcul ba bazwa. Pour vérifier, il y a des gens qui ont été enquêtés dans le domaine de la taxe dans la province. Il y a des gens qui ont été enquêtés dans le domaine de la taxe. Il y a des gens qui ont été enquêtés dans le domaine de la taxe. Impossible. Impossible de produire 3 millions de dollars pour une seule taxe dans la province. Il y a des gens qui ont été enquêtés dans le domaine. Ceux qui ont produit 3 millions de dollars dans le domaine de la taxe, 24 heures du temps. Joie, par rapport à temps. Donc, combien de minutes tu as fait ça là pour faire ta taxe pour voir qui sa camion moko? Donc, ce qui taxe moko, nani camion moko et ça là, 2 minutes. Il faut tout ça là, 18 000 camions et les caplas ouana. À travers baza combien de place? Les barrières. Mettez-vous en tête, imaginez le bosa libosso à barrière, il faut camion moko et ça là, 2 minutes. Pour qu'elle produise 18 millions, il faut tous à 24 heures. Et donc, il faut tous à 18 000 camions pour les Kawana. Donc, c'est impossible. Parce que Moutoumoko, madame, on va faire le retour de la réception. Moutoumoko, on a 2 minutes, il est là, on a 18 000 personnes dans la place. Est-ce que c'est réaliste? On comprend déjà qu'il y a un niveau déjà ambiguïté, Zali. Donc, allégation, c'est qui mensongère. Madame, Richard Mange Mangez, mais c'est vrai que le système il y a pomba skill. Mais cependant, Mbongo a produit pomba skill et qui tracé. Yangoana, Fifi Masuka tant que dirigeait province, a créé traçabilité. Service à traçabilité, c'est un service où il y a comme ma recette nion sur la mine. Parce que Mbongo a dans le domaine de la mine. Les gens qui ont été dans la poche à Batou, les gens qui ont été dans la poche à l'État, ils ont été 100 dollars par camion. Na base, ils ont proposé à Batou, ils ont dit que les mamans sont là, madame, ils ont dit que les mamans sont là. Merci Samouké. Tant que vous avez 100 dollars, les lois de la minute de Zali, ils ont impossible que les gens aient 500 dans la province de Lola pour qu'ils aient un côté à Yakasumbalesa. Pour qu'ils aient un côté à Yakasumbalesa. TFM, une entreprise ya munene oyazo mi mabiloko. Boyebi ke depuis un certain temps azana difficulté à exporter marchandises na ye. Azo produire mais azala ko entreposer na kati nani parce que ezala ba réalité ko ya contrat na ye na je kamine oyo ezo zala refixer na minute oyo. Boyebi ke sikomine azana masolo ezo zali mal niveau ya IGF bazo exporter te. Non seulement bango ba entreprise de donner la minute oyo ezo exporter te parce que il y a cuivre et ça en baisse baso préféré qu'on produise baso entreposé donc baso TKT pour que et bon côté à mingi faut pas tu vas TKK n'a qu'à t'en avoir bon bah le côté de manière générale ce qui boum minier zali congo mou imaye baka tout ça qui n'a boum minier à l'époque il y a Moïse Katumbi moutoumou côté à bon malaki chocolobi 3 millions de dollars les autres par jour donc tu comme il a boum minier fois combien. Très bien. Et ça, ce sont des allégations mensongères. Merci, merci, mon amour. Francis, nous, les analystes, les spécialistes, dans ma question, Italie, Katanga, Lualaba plutôt, et ils ont mingi que Madame Fifi Masuka au service, il y a pouvoir en place et que nous soyons ça, les autres bénéficiés, Nabana, Lualaba, Télo, Lengeka, Nokoki, répondre, Nabayo, Bazo, Kanisa, que Azo Samo, Salapa, Lengue, Longobanité, surtout Kaza intérimaire et que l'élection pénale est salée. Vous allez m'excuser que je m'exprime facilement en français. Je vous en prie. Juste pour compléter d'abord ce dont Marcel venait de dire ici, il faut comprendre que cette accusation est nantie de mauvaise foi. Et quand on fait des histoires qui sont mensongères, ça manque de logique. Il n'y a que la vérité qui ne change pas. Quand on fait des mensonges,
Et dans le mensonge, on y trouve toujours le manque de logique. Parce que là, il y a l'enjeu de cohérence et l'enjeu de responsabilité qui s'invite. Quand on parle de 3 millions de dollars par jour, et Mme Fifi Basuka, économiste de son état, fait des calculs, elle fait des analyses, et elle démontre que ce sont des mensonges. Pourquoi? Parce que pour avoir 3 millions de dollars, il faut faire passer 18 000 camions par jour. Et pourtant, au niveau de Pont Basquille, il faut en moyenne 2 minutes par camion. Une heure n'a que 60 minutes. Donc, en 60 minutes, on ne peut faire passer, si et seulement si on fait les histoires de manière rapide, on ne peut faire passer que 30 camions. Et s'il y en a d'ailleurs au niveau de péage, donc 30 camions, donc il faut multiplier 30 fois 24 heures. Le péage au Congo ne travaille pas 24 heures sur 24. À partir de 21 heures, 22 heures, les péages sont fermés. Et donc, ça va de 7 heures à 21 heures. Donc, les gens ne travaillent pas 24 heures. Comment on va faire passer 18 000 camions par jour? Donc, vous sentez que quand les gens colportent ou quand les gens sont en train de constituer un mensonge, il leur manque quelque chose. C'est la logique dans le mensonge. Et donc, ça, c'est facile à comprendre que les gens sont nantis de mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. C'est de la politique. Les gens ont tout tenté. Et surtout que quand ils viennent au Lualaba, la population a déjà compris. Elle ne va même pas vers eux. Vous voyez? Ils ont tout utilisé, les associations socioculturelles. Les gens se sont retirés d'eux. Pourquoi? Parce que, bah, preuve déjà, Ezomona. Parce que vous avez posé la question de savoir, Maman Fifi Masuka travaille pour le pouvoir en place, ainsi de suite. Mais non. La priorité des actions, il y a Maman Fifi Masuka et sa population. Parce que Wanande instruction chef de l'État à Pesakie. Est-ce que la population est satisfaite, Moussa? Oui, la population est très très satisfaite de la manière dont elle travaille. Parce que elle ne fait que transpirer la vision du chef de l'État. Si par ses actions, alors on va dire qu'elle travaille pour le chef de l'État, moi je dis oui. Parce que le chef de l'État lui-même travaille pour la population. Et donc je vais accepter dans ce sens-là qu'elle travaille pour le chef de l'État. Parce que la vision du chef de l'État met la population en premier plan. Et pour paraphraser cela par des exemples, vous avez, si vous allez au Lualaba, quand on vous dit que c'est un chantier, le Lualaba c'est un chantier, c'est un chantier. Et les projets, les infrastructures se construisent partout, dans tous les 5 territoires et les 2 villes de la province. Ah, je vais vous donner un exemple. Je vois l'échangeur à Kinshasa. L'échangeur à Kinshasa, c'est un site touristique qui ne permet pas la circulation routière. Mais l'échangeur, le premier échangeur qui va permettre la circulation routière au Congo, est en train de se construire au Lualaba. L'aérogare qu'on est en train de construire au Lualaba, c'est l'aérogare moderne. Ça sera le premier aérogare où, quand on va commencer à recevoir les gens, c'est du luxe. C'est du luxe. Donc, quand vous regardez ce qui se fait au Lualaba en termes de route, moi, je vais vous dire, il y a des quartiers au Lualaba où tout est asphalté. Si vous allez au joli site, actuellement, les gens ne s'inquiètent plus de rien parce que toutes les routes sont asphaltées. Il y a des macadames, il y en a quelques-unes qui sont restées en terre battue où la circulation se passe bien. Si vous allez au quartier latin, toujours à Colosie, toutes les routes sont en terre battue et elles sont en train d'être macadamisées. Quand vous entrez à l'intérieur de la province, tout est en train de se moderniser au Lualaba. Et c'est ça qui amène les gens, n'est-ce pas, à cultiver, n'est-ce pas, la haine contre la fille aînée de l'Union sacrée. Vous êtes en train de sentir qu'elle est proche, selon les gens, qu'elle est proche du chef de l'État. Mais parce qu'elle, déjà dès le départ... Et même de la famille présidentielle, selon... La famille présidentielle, si elle a des relations avec la famille présidentielle, elle en est libre. On est libre d'être ami de n'importe qui. Mais moi, ce que je voulais souligner ici, c'est par rapport à l'Union sacrée. Elle est la première personne, n'est-ce pas, qui a compris déjà dès le départ la vision du chef de l'État et qui est allée se rallier au chef de l'État. C'est pourquoi actuellement, on l'appelle la fille aînée de l'Union sacrée. Très bien. Merci beaucoup. Tokozo Element, Bisikarapi, gouverneur, il y a Lualaba, Madame Fifi Masuka, ça qu'on s'expliquait sur la question. Il y a taxe, au Mema Basango, et ça y est, Lokuta, ou et ça qui solotait à s'expliquer qu'il y a Liboso, il y a VEPEM, il y a Économie, Excellence Vital Kamere, Bisikarapi, Akutana Lokito, Ndeko, Francis Loubi, ou Azanabiso, sur ces plateaux, sur la question.
question, il y a Lualaba Ninezo Salema Pinza, demande d'enquête, d'enquête parlementaire Moko et Zala qui déjà pour la situation à Lualaba, taxe, bah, taxe exagérée, pe bon la bongo, les gens qui font quitter la Lualaba, n'est-ce pas, au sala tableau Moko qui n'y a pas rose, n'est-ce pas, on a Lola, n'y a pas de malamou, alors que l'élection pénale est samité, tout le monde a qui va candidat Moussou Koloba, déjà que ma caméra Salema bien été, population à Zana Binote, 4 ans après, n'est-ce pas, c'est la côte de Bokondi. Concrètement. Taxe parce que enquêteur wana c'est de leur droit. C'est toujours parlementaire pour ça la enquête est un vraiment exercice démocratique que toujours encourager mingi. Mais il faut que ça l'ango dans le sens il y a bien. Que ça l'ango ndenge longo bani. Que ça l'ango té na intention ya nuire. Tu na intention ya kola kisaki ba tozo ça la té pendant que biloko zo sali maison monana. Moi, je suis Naomi, na émission Zela ya deux bandes. Balabala ya deux bandes. Pour ça la recette ya 3 millions de dollars. Tu as compris le chiffre. Je vais entendir le chiffre. 3 millions de dollars, na mukolo moko. Et ça impossible. Économiste, nous avons un yebi système ata ya péage nenge salaka. Alors qu'on a trouvé normalité qui montre ça la balégation y a n'engue wana. Mais balabala oh le loba tu vas comme il commande la qui coûte 3 millions de dollars par jour. Et ça balabala oh Fifi Masuka a comme ici monnaie de part et d'autre a doublé monnaie nango. Balabala wana ils ont qui n'a 4,50 m. Donc il a zo porté vision chef de l'État pour le loba. Tu connais les bisaote na Katanga de manière générale na Grand Katanga. Tango Félix Tshisekedi a annoncé qu'on consultait Bantu. Nazo zo risque ya kolobango. Yeba ke ba père Katangé. Ndengo mona ka bango na boko tanga na ba kombo ba toa. Ndengo mona ba grand Katangé wana ba kombo mine na biso ba Katangé kuna pana biso. Ba loba ki ete ola ko kende na consultation ya Félix Tshisekedi a trahir Katanga. Parce que na kati ya mutu ya ba Katangé mususu ba mona ka lokola Katanga eza pays mususu na kati ya Congo. Or le Congo sera un indivisible. Alors courage, oh et bota maman Fifi Masuka, ya ko bima, ko kende ko na consultation, ya Félix Antoine Tshisekedi. Eza courage, oh yo, eza qui considéré comme trahison. A kota consultation, andimela moite na mwasi ya yambo, andimela katangeze ya koloba keno. Nga ya kosana Félix Tshisekedi na vision na yoana. Yango no moni ebote la yiba enemi na bisika nyoso. Je ne sais pas si je suis allé à l'élection, tout ça. L'élection, c'est normal. Et puis, Fifi Masuka a eu l'élection. Mais ce n'est pas à elle d'organiser l'élection, madame. Donc, l'élection est là. Par institution, ils ont organisé l'élection. 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 Donc, question est là. C'est la question que vous discutez entre nous et nous. Parce que, dans cette explication, vous pensez à l'autre. Fifi Masuka pour une élection à Rosalie Manakati à Moka na Lola Bate. Mais cependant, parce que ma institution à l'État, fonctionnement à chose publique, gestion à chose publique, et quand tu souffres la temps, une minute pour l'absence à individu. L'État machine à être tourné, tel est maraté parce que les mamans ont abîmé. A ta président de la République, ce qui a coupé les lots, n'a souhaité à voter, ce qui a jamais n'a pas les lots. Hein? Et quand tu sais que le président c'est quand la porte. Tu as vu que nos pays sont fonctionnels sous tes têtes. Kaka lelo, moussa le kosa le manenge sa le makamiko. C'est pour garantir vie à la chose publique et continuité à la gestion de la chose publique. C'est ce que Fifi Masuka est en train de faire. Nous avons un intérim. Et donc, c'est la logique. Il y a un peu de Nicolas et Moussa les autres. Et là, on va constater que nous avons un peu de temps. Pendant l'intérim, les choses se sont bien améliorées que pendant la gestion de la pouvoir plein. Pour la nini, c'est savoir-faire. Oyo maman Fifi Masuka a mimi na mboka wana. Nala ki sa yo, natin roba indis mouke mouke. National numéro 39, Bima Mutaka, oyo frontière séparée, biso na province ya Okatanga. Ti na rompo ya Mwangeji. Eza la ki mounene, l'Algérie ya Nzela. Eza la ki mounene ya 6 mètres. Oyo goudron, eza ki ka na 4 mètres et 80. Le yo tozo loba, goudron est comme il a 12 mètres. Penzela est comme il a environ 30 mètres. Donc, il va tripler pratiquement mon Nzela. Pour faciliter la fluidité du transport, il y a un moyen énorme. Oh, c'est la province, il y a une route nationale numéro 39. Si vous avez la liste nationale, il y a une nationale qui s'occupe de
ils ont tâche à province. Les provinces, ils ont route à compétence concurrentielle. Mais oh, au moins, on a fait ma souka sali en gros pour la roubaque. Non, Zela en est sali. Pour la nuit, on va s'attaquer à ma campagne dans Zela. Fifi ma souka sali en gros ça la route au Tobengi, ya Kolwezi, Solwezi. Et ça, na ville Moussou, c'est na Zambie. Oh, tu as la frontière, bisous à l'Olabé. Frontière Wana, ils ont très capitaine. Quand on est en Kasumbalis. Batu ebele koto na Kinshasa po bisunga na zolo ba vérité koto na Kinshasa batu ebele ba tcha ba intérêt na bango na Kasumbalesa yango bazoni ngate nzela wana ya nini ofiki masuka azoni nga fungola na Félix Antoine Tshisekedi Mbalamako so ba fungoli nzela wana ba camion ba truck yo zozo mona zokenda ka Lubumbashi oyo bo makanzela ku Lubumbashi yo zo pesa ba mbutage lelo na nzela wana e wono kote la koto c'est plus ou moins 90 km seulement. Tu as toujours beau à 90 km, pour tout ça, 410 km pour la commune à Kasumbalis. Est-ce que tu toujours comprends le Kamboan? Merci beaucoup, Mwaramboka. Le Kambaba gouverneur de la province, Nana Rosala Mosala, tenir ce zone à sur Moutouya, chef de l'État, c'est il faut que le pouvoir est à la Kabo, moi, à Kokabolama, ou à Zupar, pour que nous soyons salés, ma malade, mon Dieu, que Francis, Loubi, Yambotozong, là, je ne sais pas, on a niveau technique, ceux qui basent les éléments, qui ont balancé Bisso, ceux qui ont la Bango. Ceux qui ont en collaboration, ils ont balancé les bisous éléments justement pour continuer na éléments et ça nous crée de rosongo simandeko Francis Loubi tout monde qui incendie à niveau Lumbi plutôt tout le monde qui incendie à niveau alors là bas qu'est-ce qui s'est passé suite nini bosala qui pour que situation en haut est commune à niveau nini pour mon amour quoi koufa qui ban au basa qui blessé est-ce que bosu bango charge comment ça se passe déjà d'abord nous reconnaissons que c'est une circonstance malheureuse qui est arrivée à la province. Toute la ville ces jours-là était calme. Tout le monde avait, n'est-ce pas, dirigé son regard, ses yeux vers cette école-là. Et nous avons compati avec, en même temps avec la famille qui a n'est-ce pas, perdu un enfant. Nous avons présenté, continuons encore à présenter nos condoléances aux membres de cette famille. Mais ce qu'il faut reconnaître est que la province est à 100% jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le gouvernement est à 100% impliqué dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que les mêmes jours, quand la circonstance est survenue, tous les membres du gouvernement étaient sur place à l'école Mwanga. Et on a mobilisé tous les camions anti-incendie disponibles, que ce soit du côté du gouvernement ou même auprès des entreprises privées. Tout le monde était mobilisé et d'ailleurs, il faut aussi féliciter que la présence de la population sur place, n'est-ce pas, les gens étaient très très courageux afin de trouver solution sur place. Mm-hmm. Aucun enfant n'a eu de brûlures. Ça, il faut le reconnaître parce que l'intervention était très rapide malgré malgré intensité à feu. Mais il y a eu beaucoup de blessés. Pourquoi? Parce que l'espace au bas babana qui sautait, n'est-ce pas? D'autres étaient en train de se pousser. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de blessés. Le même jour, il y a eu la prise en charge de tous ces enfants-là, que ce soit dans les hôpitaux de l'État comme dans des hôpitaux privés. Mais suivi les alliés quand même. Oui. Et suivi les alliés, et puis le gouvernement, ils ont ça la population rapport chaque jour. Okay. Le premier jour, on savait qu'il n'y avait pas de mort, n'est-ce pas? Mais le deuxième jour, quand il y a eu la mort, tous les membres du gouvernement ont tenu un conseil de sécurité qui était présidé par les ministres de l'Intérieur, parce qu'il faut noter qu'en ce moment-là, madame le gouverneur n'était pas en province, elle était allée répondre à l'invitation qui lui a été adressée par les États-Unis. Et comme ça, sur place, là, quand ils ont tenu la réunion, ils ont communiqué à la population qu'il y a eu un mort et que les mesures étaient déjà prises afin d'assister la famille. Et jusqu'aujourd'hui, je vous dis que même les deuils est à 100% pris en charge par le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a souhaité qu'il puisse y avoir incendie, mais là, il s'invite ce qu'on appelle l'enjeu de responsabilité. Parce que c'est le gouvernement qui, n'est-ce pas, organise toutes ces activités-là. Le gouvernement est obligé d'intervenir sur le plan social parce qu'il y a un ministère qui s'occupe des affaires sociales. C'est une affaire sociale sur le plan social. Le gouvernement réhabilitation et l'école. Alors, la réhabilitation de l'école, ici, il faut féliciter vraiment
l'implication d'abord du gouvernement. Des instructions ont déjà été données au ministre des infrastructures qui y est descendu à l'école avec ses techniciens qui ont fait un état des lieux. Il y a déjà un financement qui va être décaissé afin que l'école soit reconstruite pour permettre que ces élèves-là puissent étudier dans de bonnes conditions. À part l'action du gouvernement, nous saluons aussi ici, n'est-ce pas, l'action des autres groupes, notamment les scouts tenus demain par le ministre qui est leur camarade, le ministre des Mines, n'est-ce pas, Jacques Kaoumba, celui-là aussi a, n'est-ce pas, mobilisé ses collègues scouts qui sont allés intervenir. Les scouts ont même coupé des planches afin de permettre que les travaux puissent se faire très très rapidement afin que les élèves puissent retourner à l'école. Mais il faut ici, nous sommes en train de présenter notre indignation à certains politiques. N'est-ce pas, Lola B? L'image que tout le monde est en train de voir, les enfants en train de se bousculer, n'était pas filmée par n'importe qui. C'est un député provincial qui a filmé cette image. De l'opposition. Et il a le plaisir. Et il a le plaisir de dire, moi, l'image là que vous voyez, c'est moi qui ai filmé ça. Pendant que tout le monde était en train de secourir les enfants, lui, il a pris le plaisir de filmer comment la scène était en train de se passer, n'est-ce pas, pour aller raconter combien il s'est travaillé, combien il s'est parlé. Il était choqué. Mais quand on est choqué, on ne filme pas. On ne fait pas n'importe quel commentaire. Parce qu'il faut compatir. C'est toute la vie. Non, l'assistance des personnes. Vous savez, cette école-là, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez garder ça aux images, c'est une école qui a plus de 50 classes. Et les enfants de 50 classes, combien d'enfants étaient touchés sur le plan psychologique? 1900 enfants. Donc vous avez affaire à 1900 enfants qu'il faut sauver. Il n'y a pas 1900 personnes qui sont en train de porter secours aux premières minutes. Vous avez le plaisir de filmer parce que vous savez que vous allez récupérer la situation et dire n'importe quoi à la télévision. Et pendant que les gens interviennent, je vais chuter par là, pendant que les gens interviennent, on ne le voit pas intervenir même avec quoi que ce soit. Il est là en train de parler, en train seulement d'insulter les autorités. C'est tout ce qu'il sait faire. Pendant que les acteurs politiques, n'est-ce pas, qui ont accepté d'adhérer avec l'autorité provinciale à la vision du chef de l'État, sont en train d'intervenir. J'ai cité ici le ministre des Mines, j'ai cité ici, n'est-ce pas, l'implication du gouvernement pour reconstruire cette école. Je parle ici de la compassion, n'est-ce pas, du secrétaire exécutif qui, ces jours-là, quand vous le regardez, il avait toute la tristesse avec lui. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui a touché tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Madame Boka. Il faut dire que jusque-là, mort Kokanda, ça a qui comptait, selon bilan officiel des photos comiques. Si ça tranche Nabiso, tout le monde, gouverneur Fifima Souka, Kokinde, Libanda Mboka, à tout moment, Aza Libanda Mboka, Nini Penza, Kinda, Rosa Libanda Mboka. Est-ce que mon solo, pour le Bissibiso Bloko, les autres ont la main, Bandela, mais vie à population na lolaba, est-ce que lolaba a zo vivre le lengue moko na mabelo et si kaya zo vanda, est-ce qu'a zo bénéficier na ba richesse na mwana mboka na ko sayote na minute to zo loba eza na situation moko zo le kaiza général et généralisé ezo touché grand Katanga na grand Kasai. OK, situation wana na expliquer ngo malamu eza di ya manque ya farine de maïs, donc rareté nango. Qu'est-ce qui explique cette situation? D'abord, selon le ministre en charge de l'économie, de l'industrie, de commerce extérieur, madame Lydia Kapapa, à Salaki, point de presse, à l'Obiboui. Guerre à Ukraine, et ça a un impact dans ma Kambouana. Parce que guerre à Ukraine est entraînée hausse, il y a prix à carburant. Rareté à carburant, pétrole, nini de manière générale, comme il rare. Ils ont impacté Bamboka Oyo et Afrique australe, où ils ont voisins, il y a province Nabiso. Ce qui est dans le domaine Wana, tout est dans le domaine Moussous. Ils ont un organisme international, où ils ont soutenir Zambie, parce qu'il faut reconnaître que jusqu'alors, dépendance, il y a la République démocratique du Congo, la partie Nango Sud. Na centre, ezaki mingi na makamamu, tali masangu, ezo depende na Zambie. Parce que l'économie est extraverti. Ba organisme ezaki ko soutenir ba Zambien pour produire masangu. Et arrêta ki depuis l'année passée ko finance bango. Parce que ba sali déjà 40 ans finance ka bango. Na mikolo ezo produire les sous, ezo soutenir les sous bango. Donc ba Zambien année passée, donc année culturelle,
2022-2023. Bah, c'est soutenu. C'est comme ça que la production est quittée sensiblement. Et quittée pratiquement de 40%. C'est comme ça que la difficulté à exporter, Libanda. Je préfère que Mais outre ça, qu'est-ce qui est en train de se faire pour passer dans la province? Nous sommes tous les la province, il y a là-bas. Oh, il y a tout le monde. Ce Kolozi, au Tamboli, plus ou moins 60 km, ce que nous avons dit, c'est là, Madame le gouverneur a une décision, il y a que ça la bilanga. Il y a le projet, il y a un bilanga déjà. Et ça l'a mis déjà, il y a un projet, il y a un yambo, et ça l'a mis. Donc, d'ici le mois de juin, parce que déjà, ma sang, vous avez la maturité, il y a que récolter, on va récolter, et que vous avez suffisamment vendu la place, nous avons quitté la table. Mais déjà, quand cloche à Yambo, personne qui dit non, ma sang est comme rare. Qu'est-ce que le gouvernement provincial a fait à travers. Ministère Naé et à l'économie, Ozo Kamamana, Lydia Kapapa. Bazoa qui contacte Naba producteur, y a Foufou, parce que tout dans la minoterie, na colosie, ça fait rien à voir, ça, ok. Tout dans la minoterie, à Mounene, parmi la minoterie, y a Grand Katanga, y a la colosie, y a CMCK. Azoa qui contacte Nabango, pour la consala, que Massangou va réduire talo makasi. Parce que Zako Koutéga, déjà pratiquement na 50 dollars le sac, mais à tout le banayo, Bazoa qui a 42 000 francs. Et puis moi, la colonie, nous avons accès à la maison. Mais. Non, tu as 20 dollars. 20 dollars pratiquement. Je suis en train de faire des fungoli, banani et belé. Tu as gagné un sou il y a réserve, il y a mboka. Et tu as une difficulté belé. Et tu as une difficulté et tu as un dossier parmi eux. Ceux qui me connaissent, tu as un expliquer. Tu as un sang, il y a une colonie, il y a une loi, il y a une loi, il y a une bumbashi. Et tu as un magou et belé, et tu as un Massangouana, Madame Fifi Masuka, en tant que gouverneur intérimaire, a décidé de bloquer Ango, Bacha Ango Sikamoko. Tala Lilo est comme une utilité, ma kasi et salissi mboka. C'est plus de 17 000 tonnes. La minute où Zokumba, chaque jour, va zoter. Fongoli déjà, je préfère m'y adresser la banane à Yamboka, la biso, la soirée, pour balanda bien, ça, parce que balanda la paix, mingi, qu'on se baisse. Pato, tu as colézi. Basha kufungula mafashi ya kujisha mibunga wa mingi mafashi ya mingi sana. Kama nenda pa mwangeji, musite jekamini, musonoi, mukapata, mujekamine, kolwezi. Beko na kujisha mingi ya bunga wa Lualaba. Ile bunga Lualaba ni guvernema na leta. Tunasema, kama nenda kule ni 42 mili franc. Apana kuichika mtu akulipishe makuta purke wewe uze. Bunga bule guvernema provinciali na leta juu yenu. Ni droit yenu ya kuza bule bunga. Je tire aussi la sonnette d'alarme parce que nous avons la vérité, mon adjoint bien. Quand tu n'as pas, on te cherche à la tingirer à mon cas. Après, tu n'as pas, tu n'as pas, gouvernement provincial, il est dirigé par Fifi Masuka Saini. Na, lieutenant Ake, Lydia Kapapa. Bah, n'as pas, bah, tu as causé Bunga. Ouais, on a fait la couleur, on a repris à moins de 10 000 francs pour qu'il y ait une facilité à causer Bunga. Juni Ndukuyako, Juni Bébé Listeyako. Bah, n'as pas, tout au plus des sacs. Moi, on a juste privilégié ma commerçant. En Akouya, on a usé 100 sacs, mon amouji chabou. À partir de Kinshasa, on a émettre les sons. Que, où les batabamba, où les batabamba, batabamba, nous allons les mettre entre les mains de la justice. Parce que, il est écouté sur 20. L'autorité, on a trouvé solution. Moi, mon état, ma technique, en fait, nous avons le babato, on a chargé à côté comme un sangou. Parce que, habitude de Moussous, va comme il qu'on majorait prix à l'état a fixé qui normalement donc bazo texte en gros c'est trop dire mais ce qui est vrai exact disposition mon palliative aux amis peut rapidement pour et puis ça va tenir son accès na masango eza rare na kati mboka. Donc, à la minute, ils ont été comme un minute, nous avons banayo, ils ont été comme un bateau, nous avons été comme un bateau, nous avons été à partir de 5h30, 6h10, nous avons été comme un bateau. Tonto, Bakina Lola, maman Fifi Masuka a maîtrisé la situation et la crise alimentaire, ils ont été comme un bateau. Mais franchement, en attendant la solution, il y a un ministère de l'économie, parce qu'il y a un lobby, le ministère de l'économie, il y a un ministère de l'économie, parce que généralement, ça qui a fait n'a pas la mission à 10 dollars. Donc, ah ouais, ça est doublé. Et triplé qui est pratiquement un combat qui est quadruplé, mais et qui est déjà sensible parce que tu es comme il a 20 dollars, et puis il y a la mingité parce que déjà, la production est déjà dans le territoire.
y a muchacha parce que l'on a massacré le gouvernement très bien. L'image concerne des co-francis l'oubiazouzou a pu malobanaye n'a malobano ya souka sur descente au maman fifi masouka salaki ce que tu as vu qu'on image comme ça des causes expliquer bisso pour que toi si les sanayope et salaki nini exactement parce que l'on pas conclusion et zani n'a pas mis tali texte ouana voilà d'abord il faut comprendre que ce qui s'est passé là-bas, c'est quelque chose de normal. C'est une invitation qu'elle a reçue afin d'aller s'expliquer sur des accusations mensongères, n'est-ce pas? Parce que les preuves ont été déjà données. Et ce qui est d'ailleurs à féliciter est que les chiffres qu'elle a donnés sont les mêmes chiffres qui sont retrouvés au ministère national des Finances. Le ministre de Finances l'a même félicité parce qu'il a trouvé qu'il y avait cohérence entre le rapport que lui avait de ses agents. Parce que les gens doivent comprendre qu'au niveau des péages, il n'y a pas que les agents de la province qui y travaillent. Parce que vous devez comprendre que le péage, c'est aussi une source d'argent au niveau national. Et donc, les agents du ministère national des Finances qui sont sur place dans au niveau des péages, au niveau du Lualaba, les rapports qu'ils avaient donnés, et c'est que Maman Fifi Masouka vient, n'est-ce pas, de donner comme rapport, il y a cohérence, n'est-ce pas, il n'y a rien qui montre tout ce qu'ils étaient en train de dire. Tout ce que moi je vais signaler est qu'au niveau des péages, même quand ils parlent de 3 millions par jour, il n'y a pas que de camions qui vont sur le pont bascule, qui passent au niveau des péages. La ville de Kolwezi est l'une des... la ville de Kolwezi, comme le Lualaba, n'est-ce pas, on peut parler de la province du Lualaba, est l'une des provinces les plus sollicitées au Congo. Quand vous regardez, rien que la ligne Kolwezi-Lubumbashi, il y a plus de 150 bus de transport qui passent chaque jour. Ces 150 bus de transport passent au même niveau de péage là où se trouvent les ponts bascules. Et donc, les gens ne peuvent pas dire que par jour, 18 000 camions peuvent passer. Vous voyez que ce sont des mensonges. Il y a même quelqu'un avait dit, il n'y a que la vérité qui ne change pas. Le mensonge, ça change tout le temps. Et quand on ment, on manque de cohérence. Et l'accusation qui est faite contre l'autorité provinciale prouve à suffisance que ceux qui ont colporté ces mensonges ne sont même pas intelligents. Oui, parce qu'ils ne sont même pas intelligents. Quelqu'un, je suivais un pasteur qui dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ayez même l'intelligence. Parce que sinon, c'est l'enfer que vous vivez sur terre. C'est là qu'il y a un élément en place, maman, Fufu Masouka, Azopé, explication. D'ailleurs, on a signalé bien que Yaza, économiste de formation, quand vous parlez des questions d'économie, il faut être bien outillé. Et donc, bon, exact, c'est ça qui est clair. Tout était clair. Quand vous la regardez en train de sourire, c'est parce qu'elle recevait les félicitations de la part des membres qui ont, n'est-ce pas, participé à cette commission-là. Et à la fin, elle a elle-même compris que ce sont des récupérations politiques. Parce que les gens de FEC, n'est-ce pas, les gens qui sont au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, ce sont pour la plupart des gens qui veulent entrer en politique. Ce sont pour la plupart des gens qui veulent entrer en politique. Et pour récupérer cela, nous savons à quel parti politique ils appartiennent, quelles sont leurs tendances. De la présidence, tous les comités là de FEC Katanga, nous connaissons très bien de quelle tendance politique ils sont et qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre comme objectif. Nous savons très très bien. Donc s'ils continuent sur cet élan-là, nous allons commencer à citer leurs noms et nous allons dire pour qui ils travaillent au niveau de la FEC. Votre mot de la fin, Toshiki Balamboka. Tout ce que nous disons na Balamboka na Balola Benyoso et ça qu'on faire confiance à fille aînée et à vision il y a union sacrée de la nation. Pourquoi? Parce que elle a une vision sur cette province là. Si on la laisse vraiment le faire dans le respect de la loi qu'elle aime d'ailleurs respecter, dans le respect des normes, vous allez voir que le Lualaba va être une référence au Congo. Très bien. Merci beaucoup. Ndeko Marcel Okitoto si Sanayo. Question moron à Tunaki à vous répondre. On a tes vies sociales et on a Lualaba. Est-ce que vous avez vu Nenge Penza et Maramezo Tambo Ramalam Nenge Mozo expliquer les amours et votre mot de la fin de ces émissions? To Sengela qui. C'est très important pour moi parce que ministre finance Nicolas Kazabi Azawana, ministre
Molendo Sakumbi Azawana, Namoni Adel Azawana, Vital Kamere Oyazaye Moko à la tête ya commission. Ana, donc, c'est du lourd. Et donc, Batunyon Soyo Nakanisite, parce que Bazar Batouazan a habitué à Fifi Masuka à corrompre. Azo corrompre à Kinshasa, c'est pourquoi Azo Yokana Mingi, Azo Loba Mingi, Banaba Télévision, Azo Lobelaye. Nabazi, Oyo entourage à Batouano Moni, va servir à Mituana, ya Taïwana. Il a été révélé. Bah, conclusion, parce que tout le monde a dit que conclusion est une bimi. Interview avec les collègues Mikolo Asima, nous avons dit que nous avons dit conclusion. Nous impossible taxe moko et produit 3 millions de dollars dans le monde. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit parce que tout le monde a panier de la ménagère, il y a l'olabé. Production de l'olabé au sala. Production de l'olabé au sala, ils ont gardé pratiquement 70% ou 60% de l'économie nationale. Et ça, province est très charitaire. Et ça, province est compatible avec Baninga. Mais là, la province est toujours produit la gâte. Bien que tu aies recevoir encore 40%, mais toi, il y a mon solo, ils ont produit le lala, ils ont essayé de faire le lala. Moi, je suis à Kinshasa, mais 40% de la gagne. Bino, je suis à la province, je suis à la province, je suis province, je suis à la province, je suis à la province, je suis à la province. Est-ce que vous avez dit que 40% ils ont la difficulté dans le lala? Volonté, il y a Félix Tshisekedi, il y a 2 ans, il y a sali déjà, tu recevoir 40% plus de 16 fois. Maintenant, quand ça a été, je suis à la maison qui a été. Et sa volonté politique, Félix Tshisekedi, il y a un monde qui a été le lala. Il y a un lala qui a été le Fifi Masuka, ça y est, il y a intègre. A sali moussala, oyo nano sali mate. Bar aveni moussou na mboka na biso, oyo zalaka, ezora goudronte. Plus de 60 km, plus de 100, de 270 km, Kolongwa, Kasaji, Kokoma, Kapanga. Frontière, ya pays na biso, na mboka Angola, kote kuna na biso. Ezalaki, ezalamaka depuis 1960. Fifi Masuka, Murumbala yambo. Na ba recette oyo zosala, a sali li angoli sou nzela wana. Leroba kwa zana esengwa yako bima, a même a. Mais comme il y a la province d'Abisso, même à 140 à l'heure, on roule Kobimana. Donc, c'est un mot positif et salami. Bon, on va à la calme. Bon, on a dit que l'on a battu. Bon, on a dit que l'on a battu. Bon, on a dit changement est au salima, et au moins à un niveau n'y a pas. L'autre, on a fierté à Kolobake. N'a 2 ans à Pamba, Batongi, Aérogare, oh, vous allez adorer vitrine, y a Mboka na biso. Très bien. Merci beaucoup, moi, Mboka, pour mettre les biso, les solans, et qui est tellement qui te remis, qui est biso, peut-être, on a posé prochaine. Non, mais nous avons fait ça pour l'invitation pour y aller là-bas. Pour tout le monde, on va aller dans la musique. Enquête, tu vas aller dans la musique. Vraiment. Biso, la préparation, le baga, Mouchimbagaribouri. Après, on est dans le monde. Et nous, on va monter à Timbola cimetière. Quand on a souka pour Attika, on a Timbola cimetière dans le coloté. La tombe, si on a créé, on a une autopsie. Il faut que tu aies une autopsie. Mais on a fait une invitation automatiquement. Et on a dit que tu as un chantier. 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 On a dit que tu as un Alléluia, na les mitos, la politique qui monte, ma colosse qui est, na autant que on a tous la télévision, politique qui monte, les maquis, nani, John et Jutembe, Azara qui n'a pas de soutien, Bayaki, collectif, Nyoswana, Bayaki, Nazo prochainement, Rosana, souci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, pour la Congo prochainement, Rosana, là-bas, Nebandeko, Ebisibison, Deko, Kito, merci, Deko, moi, Mboka français, merci, Mingi, merci, Nabiobalala, Kibiso, de partout dans le monde, RDC, Zara, Kinshasa, RDC, et Zéleba province, Nabiso, Bisikano, Sotozoami, Totikala, Moko, la RDC restera une et indivisible. On se retrouve prochainement. Au revoir.